Cet après-midi, nous allons vivre un temps de prière et de réconciliation. Alors pendant ce temps, vous serez invités à garder votre calme, à le vivre en sérénité. Vous serez invités à demander pardon. Vous verrez, des prêtres seront à votre disposition. Des ateliers aussi vous seront proposés, différentes manières de demander pardon. Je vous demande de le vivre à fond ce temps. C'est un temps qui est rien que pour vous. Vous êtes moitié chapiteau, alors profitez-en avant, à fond. Avant de commencer, on va continuer. On va entrer dans la louange avec Glorious, toujours en chantant « Nous élevons les mains ». On va tous lever nos mains vers notre Dieu qui nous rejoint cet après-midi. Et on va tous chanter comme ça, tous ensemble. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Quoi qu'il se
Vous savez, tous ces chants qu'on prend dès qu'on se retrouve ici, c'est beaucoup plus que de la musique, c'est beaucoup plus que juste des chants, c'est vraiment notre louange. Notre louange, ça veut dire que c'est le cœur de l'homme qui manifeste à Dieu que Dieu est plus grand que lui. Voilà ce qu'on fait dès qu'on élève nos mains vers Dieu, voilà ce qu'on fait dès qu'on fait jaillir tous ces chants de louange. C'est qu'on est en train de dire à Dieu, tu es plus grand que moi. Et je te demande de régner sur ma vie. Je te demande d'être le Dieu de toute ma vie. Voilà ce qu'on fait à travers tous ces chants. C'est vraiment notre manière de dire à Dieu qu'on l'aime. Avec notre musique, avec nos mots, avec nos phrases. Et vous savez, tous les chants qu'on prend... pour la plupart, ils sont inspirés des psaumes. Au cœur de la Bible, c'est un livre avec plein de cantiques qui expriment à Dieu la louange de l'homme. La louange dans les moments de sa vie où tout va bien, et aussi la louange dans les moments de sa vie où c'est plus difficile. Où c'est plus difficile d'être agrippé, accroché à Dieu. Alors, on vous invite vraiment, chers amis frateux, à travers tous ces chants, à basculer seulement du chant, mais vraiment au cœur de la louange. Vivez cette expérience avec tout votre cœur et avec toute votre foi. On va refaire juste une dernière fois ce petit refrain pour que les tout derniers frateux puissent nous rejoindre et on sera bientôt rassemblés pour vivre cette célébration cet après-midi. Je vous invite juste sur ce refrain à ouvrir vos mains, ceux qui le veulent, à fermer les yeux. Et à essayer juste de chanter ces phrases avec tout votre cœur, avec toute votre foi, avec tout ce que vous êtes, avec toute votre vie devant Dieu. Et de basculer seulement du chant à la prière. Que cette simple phrase soit votre prière cet après-midi ici. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire.
Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi et nous chantons ta gloire. Seigneur, nous voulons te confier chacun des frateux cet après-midi. Nous voulons te demander de venir bénir, de venir rejoindre chacun d'eux. Viens préparer les cœurs à tout ce que toi tu veux dire et faire dans nos vies cet après-midi ici. Seigneur, nous ne voulons pas en rester à ce que nous disons de toi, mais nous voulons entendre cet après-midi ce que toi tu dis sur nous. Voilà les amis ce qu'on essaie de vivre pendant ces 3 jours. Nous voulons entendre, Père, ta voix, ta parole sur nos vies. Alors viens préparer nos cœurs, viens préparer nos vies à tout ce que tu veux dire, à tout ce que tu veux faire pour chacun de nous cet après-midi. Et nous te disons merci, parce que dans la foi, nous savons déjà que tu fais des choses. Nous savons déjà que tu prononces ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On vous invite juste, pendant qu'on continue un peu cette musique, au fond de votre cœur, à commencer à élargir pour que Dieu puisse venir faire son travail. Vous savez, je vais vous apprendre une petite phrase qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de prière et dans ma louange. Un jour, j'ai entendu un prédicateur qui a dit ça. Lorsque tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Lorsque tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Cet après-midi, de tout notre cœur, on va s'occuper de Dieu. Et on sait que lui, il s'occupera de nous. Il s'occupera de chacun de nous présents ici cet après-midi, au cœur de ce chapiteau. Vous pouvez commencer au fond de votre cœur à lui dire merci. Tout simplement, avec vos mots, avec ce que vous êtes. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. On va simplement chanter un petit refrain qui est hyper beau. Il reprend un psaume qui dit «